Le symbole que portent les hippies. Vous voyez là les trois petites barres dans le cercle. Peut-être le dessiner au tableau. Donc, comme on l'a dit, donc le symbolisme qui sera courant littéraire qui va employer principalement donc des symboles pour représenter des idées plus abstraites. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le symbolisme, bon, le seul inconvénient, c'est que bon, vous n'avez pas encore eu de cours d'histoire, de littérature, ou non, vous n'avez jamais vu tout. C'est pas grave, vous n'en avez pas vraiment besoin pour comprendre ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le symbolisme donc, apparaît au 19e siècle à une période plus ou moins stable, mais qui réagit, ça vous allez l'apprendre par la suite, un courant littéraire comme n'importe quel, vous allez voir, hein, vous en avez plein, au romantisme, tout ça, ça va toujours apparaître en réaction à un courant précédent, toujours, souvent en contradiction, ou va s'en inspirer pour progresser. Et ici, le courant symboliste apparaît un peu en réaction au courant réaliste que vous allez voir normalement après. Et donc là, ce que vous allez voir, le réalisme, au contraire, c'est plutôt représenter des images réelles, la vie courante, la vie quotidienne. Et ici, justement, le symbolisme, ce sera peut-être parfois des représentations de la vie réelle, mais qui en fait vont essayer de vous présenter autre chose que ce qu'on vous montre dans la peinture ou dans des textes. Alors, le père officiel du symbolisme est Jean Moréas. Quelqu'un le connaît? Non. Alors, c'est un poète d'origine grecque, mais d'expression française. Excusez-moi, vous pouvez peut-être écrire ce nom-là? Oui, bien sûr. Alors, il écrivait en français. Il est né en 1856 et est mort en 1910. Il est né en Grèce et il a étudié à Paris. C'est là qu'il habitera jusqu'à sa mort. Il a commencé sa carrière d'écrivain en publiant des recueils de poésie comme les Sirtes en 1884 et il rédige le manifeste littéraire qu'il publie dans le supplément littéraire du Figaro du 18 septembre 1886. Alors, est-ce que vous connaissez un autre auteur symboliste? Non? Vous n'en voyez aucun qui pourrait être symboliste? Mais l'un des autres auteurs les plus célèbres, c'est Charles Baudelaire. Est-ce qu'on n'en a pas déjà parlé de Charles Baudelaire en classe? On n'a pas, ne fût-ce que cité par rapport à... Non? On n'en a pas parlé? Non? On a parlé de Guy de Maupassant, on a parlé de... Oui, non, non, sans doute pas. Non. Alors, Charles Baudelaire a écrit Les fleurs du mal. Madame de nom, ça vous dit rien? Ah ben donc, on va vous présenter un extrait qui s'appelle l'Albatros. On va vous distribuer les feuilles et puis on va le lire ensemble. Alors, l'Albatros, vous écoutez? Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage. Attendez, si oui. Je peux juste me permettre, attendez qu'ils aient reçu les feuilles. Okay, ça va. Comme ça, voilà, parce que sinon là ils vont se... C'est bien qu'ils soient bien attendus, surtout si vous faites une petite lecture. On reçoit tous 3 feuilles, c'est ça? Oui, ok. Non, il y a un problème ici. En fait, oui, ici, il y a d'autres feuilles. Oui, c'est pour la suite. Ah, mais on reçoit combien, chaque élève, combien de feuilles, s'il vous plaît? Il y a 4 feuilles. 4 feuilles. Ah, merci. Donc, vous vérifiez, vous devez avoir reçu 4 feuilles. Je vois une feuille avec l'albatros et puis 3 feuilles avec...
Les peintures. Alors, l'albatros. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent les albatros, vastes vols des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage. Le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui, naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Alors, de quoi parle le poème? D'après vous, simplement vos idées à vous, de quoi ça parle? Moi, je me demande si vous ne devriez pas leur laisser. Je me demande si vous ne devriez pas les laisser lire, ne fût-ce leur laisser quelques minutes pour lire. Parce que vous avez lu une première fois, c'est quand même Charles Baudelaire, hein, on est ici en troisième. Donc, moi, je laisserai quelques minutes pour qu'ils puissent lire et puis alors vous posez vos questions. Ouais, ça va? Ne stressez pas avec le timing, on fait ce qu'on peut. On ira jusqu'où on peut, il n'y a aucun souci. C'est déjà très bien jusqu'à présent, donc c'est clair. Donc voilà. On prend quelques minutes pour lire ce petit poème, chacun, et comme ça on peut répondre mieux. Parce que sinon vous allez avoir une classe qui... Alors, je ne sais pas s'il y a de la place pour tout le monde. Mais il y a. Voilà, asseyez-vous même à côté des élèves. Vous avez encore une place ici à côté de madame. Et il y a une élève qui doit arriver, donc elle s'assiera là. Céline qui doit arriver. Ah, tu es là. Ok, ça va. Mais dans les autres cas, ça va être un petit peu plus difficile. Et en plus, monsieur Dupaillé va arriver. Ah oui, ok. Alors, vous avez fini, vous pouvez y aller. Donc, on vous pose la question de quoi parle le poème, quel est le sujet principal? Oui. Un oiseau. Oui, donc l'albatros. Et à part ça. Déjà, vous savez ce que c'est un albatros? Oui, un oiseau. Un oiseau, oui. C'est un bel oiseau. Alors, comment il est l'albatros? Est-ce que tu sais me décrire? Je sais qu'il a des grandes ailes blanches. Oui. Tu sais qui est-ce que le compare à l'albatros? Un poète.
Oui, tout à fait. Donc, l'albatros est un oiseau, d'accord. Est-ce qu'un oiseau peut être un poète? Non. Non. Alors, ça s'appelle la personnification. C'est quand on prend un objet ou un animal qui ne peut pas normalement parler ou faire les choses humainement possibles. Et donc ça s'appelle la personnification. C'est comme si on prenait ton chien et que tu imposes un poème qu'il te parle. C'est pas possible, c'est personnification. D'accord. Et là, quand on compare à un poète, on en a une. Et donc on voit que les trois premières strophes, on compare l'albatros à un roi déchu. Vous voyez? J'aurais juste dit qu'on comparait les trois premières strophes à l'albatros à un roi déchu. Qu'est-ce qui se passe sur l'albatros? Je ne sais pas si on l'a mis en avant. Mais qu'est-ce qui lui arrive en fait à l'oiseau dans son poème? Qu'est-ce qui lui arrive? Il s'est pas volé. Il s'est pas volé. On se moque de lui, oui. Mais en fait, dans ce poème, on note vraiment le caractère ridicule de l'oiseau quand il est au sol. Parce qu'en fait, l'albatros, quand il est au sol, il ne sait pas marcher. Il a l'air un peu ridicule comme ça. Et il est très à l'aise quand il vole, parce que c'est vraiment son élément. Et donc, cette comparaison par rapport au poète, c'est parce qu'un poète, généralement, c'est solitaire, ça reste vraiment seul. Et un poète, quand on le met dans une foule, peut paraître ridicule parce qu'il n'est vraiment pas dans son élément. Et c'est vraiment sur ça que se base la comparaison entre l'albatros et le poète. Oh oui. Par rapport au symbolisme, quel est le lien? Parce que vous avez finalement, vous parlez de personnification. La comparaison, vous auriez peut-être pu insister aussi, trouver le mot comparaison, en troisième, ça c'est vraiment dans le programme, hein, comparaison, métaphore, personnification. Et puis par rapport au symbolisme, alors. C'est à ça que je voulais en venir, c'est que, donc on a bien dit, l'oiseau, on l'a comparé, il symbolise en gros le poète. On dit bien que donc, l'oiseau ici, on se moque de lui, et on compare aussi au fait que le poète, dans la vie courante, c'est en général solitaire. Et donc ici, ce qui se passe ici sur l'oiseau qu'on compare au marin, qu'est-ce que vous pouvez en conclure par rapport au poète dans la vie en général? Si ici on vous parle d'un oiseau qui se martyrisait par les marins parce qu'ils ont que ça à faire. Vous pouvez essayer, hein? Vous pouvez essayer, vous pouvez vous tromper, c'est pas interdit. Vous n'allez pas y prendre parce que vous essayez. Répétez peut-être la question. Donc vous nous avez bien dit, l'albatros égale le poète. Vous avez mis en avant que l'albatros est martyrisé, on se moque de lui, bah, il est humilié, martyrisé par les marins. Donc maintenant, ce que je vous demande, c'est que, comme vous m'avez bien expliqué que albatros et poète, c'est la même chose, qu'est-ce que vous pouvez en déduire quant à la situation de l'oiseau aussi dans le poème? Oui? On se moque de l'écrivain, tout à fait. Parce qu'en fait, les poètes, bon, ils ont déjà souvent une assez haute opinion d'eux-mêmes. Il y en a certains que vraiment, plus péteux que ça, on meurt. Mais en fait, les poètes souvent se considèrent aussi comme des... J'ai pas envie de dire, non pas exclu, mais au-dessus des autres. Ils se prennent souvent au-dessus des autres parce qu'ils se considèrent
comme ils sont poètes, ils se considèrent parfois comme parfois même des devins, des prophètes. Ils pensent que c'est eux qu'ils ont, ils ont eu le titre du Saint-Esprit et ils pensent qu'ils savent peut-être tout mieux que les autres. Et donc c'est pour ça qu'ils se, ils se pensent rejetés, humiliés par les autres citoyens de la société. Est-ce que ça va? Ou si c'est pas clair, je répète, il n'y a pas de souci. Ça va? Donc ce que vous pouvez conclure aussi du poète, c'est que le poète, c'est un être, j'ai envie de dire, à part dans la société. Ça va, ça va. C'est un être à part dans la société, ce qui explique le fait qu'il soit rejeté, humilié par les autres. Un peu au poème, analyser bien le poème. Comment les marins se moquent-ils de l'oiseau? Que font-ils? Comment se moquent-ils de lui? Et limite. Oui, lis un peu la phrase qui le dit. L'autre mime en boitant un fier mesurier. Voilà, hein, il le mime. Est-ce que vous voyez ça? Donc en fait, il le mime, il se moque vraiment de lui, il imite sa démarche. Relis un peu la phrase, Raphaël. L'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Voilà, en boitant, il le mime, il fait comme s'il boitait l'infirme qui volait. Hein. Ça, je pense que vous comprenez tous les mots. Et je pense qu'il y a une phrase précédente aussi. Oui, Clara? Là, regarde son bec avec un peu de gueule. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'il m'ennuie avec un briquet, ou je ne sais pas ce que c'est, un peu de gueule. Justement, est-ce que vous pourriez expliquer ça aux élèves? Non, c'est pas expliqué. Okay. Voilà, donc ça, là vous devez effectivement bien maîtriser. Je vois que vous cherchez le vocabulaire, mais c'est pas pour vous piéger que je pensais que vous pourriez expliquer sans problème. Mais voilà, vous devez être capable de. Bon, mais ça, peut-être, voilà, on peut supposer que c'est ça, ce mot qui s'utilise dans un objet. Bien. Alors, aussi, on voit que Baudelaire faisait aussi partie de la génération des poètes maudits. D'accord? Donc, il n'était pas compris par les gens de son époque. Vous avez déjà entendu parler de ça, Baudelaire? Mm-hmm. Oui. Edgar Allan Poe, il était poète maudit, non? Alors, ça, je ne sais pas. C'est une belle question. Mais, de toute façon, voilà, oui, c'est pas spécialement un poète, mais qu'est-ce que ça veut dire, justement, hein? On dit que les marins se moquent en imitant la démarche de l'oiseau, se moque en le maltraitant, hein, on peut dire ça comme ça. Comment un poète, lui, peut être, comment peut-on se moquer d'un poète? Comment peut-on le ridiculiser? Est-ce que vous aurez une réponse à ça? En caricaturant ses œuvres. Oui, enfin ça, il faut quand même être capable de le faire, mais pourquoi est-ce qu'on se moque d'un poète? Pourquoi est-ce qu'on a envie de se moquer d'un poète? C'est difficile peut-être pour vous de répondre à cette question, parce qu'un poète, bon, mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est? Mais essayez un peu de vous imaginer. Oui. Peut-être parce que comme elle disait, il se croyait supérieur et tout, donc les gens veulent peut-être montrer qu'en fait c'était des gens comme tout le monde. Oui, je ne suis pas persuadée moi de ça. Hein. Je ne suis pas persuadée que le poète justement... Je ne pense pas ça, oui, mais on va activer peut-être Le ça. Poète était plus haut classé? Pas nécessairement. Par rapport aux autres? Pas nécessairement. C'est quoi un poète? C'est quoi un poète? Qu'est-ce que c'est? Je prends juste le relais 5 minutes. Hein. Qu'est-ce qu'un poète? C'est quoi un poète d'après vous? Oui? C'est peut-être ridicule, mais c'est quelqu'un qui fait les poèmes. Oui,
Voilà, c'est quelqu'un qui fait des poèmes. Est-ce que tout le monde comprend la poésie? Est-ce que c'est facile à comprendre la poésie? Est-ce qu'on peut comparer la poésie à un roman? Non. Quelle est la différence? Ils ont déjà vu la théorie? Non, ils n'ont pas encore vu la poésie. Donc c'est pour ça que voilà, c'est, la poésie n'ont pas vu. Donc c'est assez, pour eux, c'est assez abstrait. Donc le poète, c'est quelqu'un peut-être d'un peu original. C'est quelqu'un qui communique en écrivant des poèmes. Et les poèmes, c'est pas, tout le monde ne comprend pas. Il y a du symbolisme, il faut l'expliquer, le poète. Donc, le poète, il n'est pas nécessairement compris par les autres. Il est différent. Et je ne pense pas qu'il... Peut-être que certains, après, mais souvent ils sont reconnus après leur mort. Donc peut-être, voilà. Bon, donc je ne pense pas que les grands auteurs aussi. Mais voilà. Je ne pense pas qu'ils se prennent pour supérieurs. Je ne pense pas sincèrement. Mais ils ne sont pas compris. Ils ne sont pas compris. Et souvent, ce sont des gens qui sont isolés. Mais un peu comme les artistes, les musiciens peut-être aussi se sentent différents, se sentent pas tellement compris, et donc sont isolés, sont rejetés des autres. Voilà, et cette comparaison, moi quand je lis ce poème, ben quelque part, je ressens peut-être la tristesse, on sent, c'est triste ce qui se passe dans ce poème, ces oiseaux qui sont attrapés par les marins qui se moquent d'eux, et alors cette comparaison, Baudelaire est poète, et c'est de lui qu'il parle, c'est lui qui se sent rejeté, qui se sent comme ça, qui se sent moqué par les gens, parce qu'il n'est pas compris. Mais je ne pense pas qu'il se sente supérieur, hein, ça, je ne pense pas que ce soit, c'est pour ça, pas en tout. Je pense pas que ces gens-là peuvent se sentir super. Il faut être reconnu avant de se sentir supérieur. Et je ne sais pas s'ils ont été reconnus immédiatement. Et comme ils étaient un peu rejetés des autres, ben, c'est difficile de se sentir supérieur quand on est rejeté. Quand on se sent supérieur, c'est qu'on est adulé, c'est qu'on est applaudi, c'est qu'on est mis sur un piédestal. Donc ici, on ressent la tristesse de Baudelaire, la façon dont il est incompris par la société. Et c'est comme cet oiseau. La comparaison, elle est facile à comprendre. On imagine bien l'oiseau, l'animal qui est torturé, qui est mal mené, comme le poète. Voilà, la comparaison ici est très belle. Voilà, je laisse poursuivre. Et comme vous dites, alors ils n'ont pas vu toute la théorie sur le poète. Voilà, donc la poésie, on la voit en troisième, effectivement. Donc moi, c'est vrai que je l'aborde pas nécessairement, plus en fin d'année. Mais c'est sûr que Baudelaire, le symbolisme, en troisième, non. Donc vous arrivez, il n'y a pas de prérequis. Mais c'est ça, si j'avais su, moi j'aurais peut-être commencé alors par un... Voilà, maintenant vous êtes en deuxième, hein, c'est vrai que vous avez encore une année, vous devez vraiment vous renseigner et savoir ce que vous destinez à être régent, ce que les élèves de première apprennent, quel est le programme en première, quel est le programme en deuxième, et en troisième, et vous verrez que... Ce n'est pas ça. Maintenant, étudier ce poème-là en troisième, oui, tout à fait, parce qu'il est tout à fait accessible pour eux. Il est bien choisi, très bon choix, tout à fait accessible. Mais c'est vrai qu'alors, et ce n'est pas impossible, ce n'est pas interdit d'aller un peu au-delà du programme et d'apprendre aux élèves de donner une leçon comme vous la donnez maintenant sur le symbolisme, parce que le symbole, ils ont bien compris. Très bien pour la liberté, mais voilà, mais seulement il faut savoir que, et j'aurais envie de vous le dire après, mais puisque vous me posez la question maintenant, j'aurais envie de vous dire, renseignez-vous bien sur les prérequis, comme ça vous ne posez pas des questions qui tombent un peu à l'eau, comme est-ce que vous connaissez un autre auteur du symbolisme? C'est sûr que non, donc voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on ne s'est pas tellement concerté avant, donc il n'y a pas de souci. Continuez. Donc on va parler du symbolisme dans la littérature. On va aussi parler un peu du symbolisme dans la peinture. Oui. Pour les peintres symbolistes, la femme est vraiment un des plus gros sujets d'inspiration. Il y a énormément de tableaux avec des femmes, même pas forcément pour les peintres symbolistes, mais pour ceux-là en particulier. Et on retrouve le symbolisme dans les œuvres de peintres belges. Et... on va surtout vous parler de James Ensor, qui est né en 1860 à Ostende et décédé en 1948 à Ostende aussi. Alors lui, c'est entre 1887 et 1893 qu'il peint ses plus beaux tableaux.
Donc il va mettre en évidence les aspects grotesques des choses, rehaussés de manière surréelle, et s'orienter vers une vision du monde radicale, sarcastique et insolente. Donc, alors on va vous demander de prendre la première peinture que vous avez. Je vais la passer en couleur comme ça vous pouvez la voir. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu l'occasion d'aller dans un musée d'art ou de regarder, ou si quelqu'un a déjà vu des peintures, ne serait-ce que de Bruegel ou même d'autres peintres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. On avait été à Leyde, en Hollande, au musée Van Gogh. Ah, tout à fait, c'est bien. Mais ce qu'on va remarquer, c'est que bon, vous avez peut-être déjà des idées de peinture que vous avez peut-être déjà vues dans le passé, avec peut-être parfois souvent des représentations avec des femmes parfois à moitié nues ou ce genre de choses. Mais là, ce que vous allez bien voir, c'est que ce genre de peinture, c'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. C'est un art. Déjà, c'est belge, donc c'est déjà, on a tout à fait un style différent. C'est pour ça que la littérature et même la peinture belge, c'est intéressant à voir, parce qu'on constate quand même que c'est un style tout à fait différent de ce qu'on peut voir dans la littérature ou dans la peinture française, et notamment avec ces peintures qu'on vous a présentées. Bon, là, évidemment, chez vous, vous ne l'avez pas en couleur, surtout si la qualité n'est pas vraiment top, mais c'est un style tout à fait différent. Donc celle-là est bien une peinture de James Hansen. Oui. D'accord. Les trois? Non, en fait, donc, il y a la première, celle que je vous fais passer en couleur, qui va vous arriver. La deuxième, où en fait... Donc la première que vous voyez, c'est... Oui, on peut peut-être commencer par la première. Hein, la première. Les bains à Ostend. Qui vous décrit complètement, pratiquement, la peinture. Donc, qu'est-ce qu'on y voit ? Deux squelettes. C'est un haran-sort. Et un haran-sort, c'est quoi ? C'est quoi un haran ? Un poisson. C'est un poisson. Vous pouvez peut-être écrire ce mot-là au tableau ? Intéressant de vous présenter, c'est bon, la peinture en soi, bon, elle est claire, on voit deux squelettes qui disputent un morceau de poisson, une peinture de James Hansard. Est-ce qu'il n'y a rien qui vous met la puce à l'oreille, ou vous faites un lien entre le peintre, ça, le titre de son œuvre et la peinture? Au niveau du son, ça ne vous dit rien? James Hansard, squelette. Oui. Vous avez dit le art Hansard, et lui, dit son nom de famille, c'est Hansard. Voilà. Dit James Hansard, art Hansard. Là, vous avez le jeu de mots de art Hansard sur sa magnifique représentation des deux squelettes qui partagent le petit morceau de poisson. Alors, la plus belle, c'est votre dernière. Ça, c'est pas retenu. Donc, la dernière que vous avez, donc là, c'est en vue portrait. Là, c'est vraiment. C'est peut-être pas très clair, même à l'impression, même en couleur. Donc, le titre de cette dernière peinture, c'est celle qui s'appelle La parodie humaine. Alors là, qu'est-ce que vous y voyez? De ce que vous voyez dans votre
Qu'est-ce qu'elle représente, cette petite peinture? Une petite croûte. Une petite croûte. Il y a un homme derrière, c'est une femme. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette femme? C'est un squelette. Ah, c'est, non, cette femme, c'est un squelette. Elle est très maigre. Hein. Vous venez à la mode de l'anorexie. Qu'est-ce qu'elle a? Et qu'est-ce qu'elle a de spécial? Bon, d'accord, c'est un squelette. Et en plus, et il y a un masque, tout à fait. Elle est pas, c'est un squelette tout nu? Non, elle est habillée. Elle est habillée. Donc, c'est comme ça que vous avez remarqué que c'était une femme. Elle porte un masque, elle porte une robe. Si je devais vous montrer. Elle n'est pas tordue. Elle est tordue. Ils sont dans le sang. Elle se penche. Elle est penchée. En soi, c'est dans la tête. C'est facile. Alors, ça sera peut-être plus compliqué. Mais ça, c'est typiquement symbolique comme peinture. Qu'est-ce que ça vous évoque? Le titre, c'est Parodie humaine. Et ce que vous voyez sur votre peinture, c'est un squelette de femme dans une belle robe, et derrière elle, il y a un homme, je pense. Hein. Oui, oui. Est-ce qu'on a un homme qui veut la robe? À quoi ça vous fait penser, tout ça? Moi, j'ai l'impression objectif qu'il y a un vieillard qui a sa femme qui est déchante, par exemple, et qui est copie. C'est une belle image. C'est pas celle qu'on avait, mais c'est pas mal du tout. C'est une belle interprétation. Mais c'est ça le problème avec la peinture, c'est que c'est sujet à toutes les interprétations. Hein, donc, La peinture symboliste, chacun va interpréter les symboles à sa manière. Donc, toi, tu as ton interprétation. Par exemple, Raphaël, je pense, n'aura pas la même interprétation que toi. Et vous n'aurez certainement pas la même interprétation de votre peinture que le peintre en lui-même. Donc, c'est toujours un peu compliqué à devoir comprendre et à expliquer à quelqu'un d'autre. Puisque... Est-ce que vous avez expliqué le mot parodie? J'ai pas entendu. Peut-être que vous l'avez expliqué. Non. Oh, ben ça. Alors, Donc pourquoi ce titre-là, ça peut être... Quelqu'un sait ce que c'est une parodie? Ça, vous savez peut-être. Quelqu'un, si vous avez vu Scary Movie? C'est une version humoriste de la vraie version. Tout à fait, c'est une version humoriste troublée d'une version originale. Donc pourquoi alors parodie humaine ici? Donc on a bien dit que c'était un squelette qui portait les vêtements d'une femme et qui avait un masque. Parodie, ça vous dit rien avec le fait qu'on vient d'expliquer le terme parodie? Qu'est-ce que tu voulais dire toi, Fabienne? Enfin, ça représente un peu comme des gens humains, enfin réels, mais sauf que c'est des squelettes. Quoi. Et le fait qu'ils portent un masque, ils sont en train de parodier les humains. En fait. Elle est quand même compliquée, hein. C'est quand même compliqué cette peinture. Ne regardez pas seulement votre squelette, hein, parce que ce qui peut vous aider, c'est tout ce qu'il y a aux alentours du personnage principal qui est le squelette, mais vous avez bien dit, il y a un homme derrière. On dit peut-être oui, qu'il est d'un certain âge, ça on ne peut pas vraiment en être certain. Est-ce que ça veut dire que les morts se moquent des vivants, ou les morts se prennent pour des vivants, ou est-ce que peut-être finalement on est vivant, mais... Voilà, plus dans ce sens-là. Vous êtes face ici à un squelette. On pense qu'on est vivant, mais finalement, on est déjà mort. C'est ça, ici, c'est toute la symbolique d'un squelette. Un squelette, ça vous évoque quoi? La mort. Le squelette, ça évoque la mort. Mais il n'est pas tout seul, le squelette, c'est ça? Parce que derrière, vous avez un homme. Vous avez derrière un autre homme, mais lui, est-ce qu'il est mort? Non. Lui, il est vivant. Enfin, on en sait rien. Peut-être qu'il a un masque comme... S'il avait voulu être représenté comme un mort, il aurait été peint de la même façon que la femme. Ah, c'est
Et ici, c'est ça qu'il faut. On ne voit pas très bien, nous, sur, en noir et blanc. Enfin, mais, non, mais je ne me souviens plus de. Mais c'est pas un squelette, l'homme, alors. Non, l'homme, non, non, l'homme, non, l'homme, c'est, l'homme c'est un vieillard, alors, l'homme. Oui, pas mais spécialement. Ça, mais bizarrement, la version noir et blanc, elle est plus claire que celle en couleur. Parce que celle en couleur, ce sont des couleurs toutes dans les tons bruns, c'est un peu flou. Donc même en noir et blanc, c'est presque. Parce que nous, ici, en noir et blanc, moi, j'ai l'impression que l'homme, on dirait même un squelette. On dirait même qu'il n'a pas de pantalon. On voit juste les os. Mais c'est peut-être pas ça, hein. Non, c'est en agrandissant l'image, ah, ouais, c'est quelque chose qui a eu énormément de pixels, mais non, on voit que c'est un homme d'un certain âge, quand même. Enfin, sans vouloir dire que c'est un vieillard, mais il a quand même un certain âge. Il a pas une canne? Si, il a une canne. Il a une canne? Oui, mais c'est, en tout cas, sur la peinture, on voit pas qu'il a des cheveux blancs, on voit qu'il est très très vieux, on sait juste qu'il a une canne et qu'il est habillé avec un costume traditionnel. C'est pas la mort qui attire. Peut-être la mort. Ça peut tout à fait être une des interprétations que la mort appelle les vivants. Donc, tu n'es pas tout à fait loin, puisque vous avez affaire ici à un mort et un vivant, j'ai même envie de dire, dans la même pièce. Et qui a déjà vu le film Les Noces Funèbres? C'est un peu le même principe. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Il y a les morts qui reviennent chez les vivants. Donc vous avez l'épouse défunte qui retrouve son mari vivant, ou c'est l'inverse. Quel auteur? C'est Tim Burton, me dit Florian. Ah, oui. C'est un monde classique de Tim Burton, celui-là. Donc c'est presque une inspiration de dire que vous avez ici un mort et un vivant au même endroit. Ça pouvait vous indiquer que vous signalez que la mort et la vie, en soi, est-ce qu'elles sont si proches? Est-ce qu'elles sont si éloignées? Pour vous, c'est peut-être dans 50 ans, la mort, mais ça pourrait très bien être demain. Donc en soi, la vie et la mort, je n'ai pas envie de tromper en rêve non plus. Hein. C'est juste pour vous dire qu'entre la vie et la mort, il n'y a vraiment qu'un petit pas, ce n'est pas si loin, et ce ne sont pas forcément... Ici, vous voyez bien aussi, est-ce que le mort ici, le squelette, est-ce qu'en plus il a l'air malheureux? Est-ce qu'on vous dessine un mort en train de pleurer? On voit une femme déguisée qui est presque même en train de sourire, bien que le squelette est sourire. Donc ça pourrait même vous dire que la mort n'est peut-être pas forcément une mauvaise chose. Est-ce que vous voyez la mort comme quelque chose d'horrible? Vous trouvez que c'est la fin de la vie, c'est fini, après il y a quoi? Il y a le néant? Non, pas forcément. Donc ici, ce que votre peintre veut vous mettre en avant, c'est que qu'on soit que la mort, elle vous pend en nez, à vous tous. Que vous soyez petit, que vous soyez vieux, que vous soyez noir, jaune, blanc, que ce que vous voulez, vous êtes tous un jour amenés à décéder. Et bon, moi, bon, j'ai pas envie de dégoûter tout le monde. Hein. Faut vous faire à l'idée, hein, je suis désolée. Hein. Avant qu'on passe à une petite activité, comme on a un petit peu travaillé à l'envers sur cette peinture, on va vous présenter le peintre, qui s'appelle Félicien Rops, qui est aussi un peintre belge, du 19e siècle cette fois-ci. Ce qu'on peut vous dire sur lui, c'est que sa vue a commencé à baisser en 1892, mais qu'il est vraiment resté actif jusqu'à son décès. Il est originaire de Namur, et un musée lui a été dédié à Namur, donc sa ville natale. Et on peut également visiter à Mété, le château où il a vécu avec sa femme, Charlotte Collet-Pabot. Voilà. Et on avait choisi la parodie humaine parce que c'était une de ses peintures qui était la plus simple, entre guillemets, à analyser avec vous. Donc là, il vous reste une minute ou deux. Donc il faut peut-être conclure. Petite conclusion. Ce qu'on peut conclure, que ce soit de la littérature ou de la peinture, voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ce que vous allez lire, ce que vous allez voir, il ne faut pas le prendre au sens propre. Il va falloir toujours chercher plus loin une vraie signification plus profonde. Oui, c'est une belle conclusion. Ah, oui, belle conclusion. Merci beaucoup.